Bonjour, je suis Audrey de Petit Bout de Création sur YouTube et sur Instagram, ainsi que Audrey Mercerie sur Instagram et Facebook, et vous pouvez retrouver la mercerie en ligne audreymercerie.com. Je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes lundi 18 décembre et il est 7h54. Je commence ma journée. Alors, déjà un grand merci pour tous vos commentaires encore, c'est génial. Merci pour toutes vos commandes, c'est quelque chose de vraiment énorme et beaucoup de travail. Mais comme je disais hier dans mon post Instagram, merci beaucoup, j'ai grande gratitude et j'aime ce que je fais. Mais j'avoue que là, je suis pressée de prendre mes quelques jours de repos. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? Eh bien, écoutez, je vais vous montrer. J'ai cousu le pull Titus de la Maison Victor, donc un patron gratuit sur le site de Femmes d'aujourd'hui. Voilà. Donc, j'ai terminé le pull pour le cadeau de Noël de mon papa. Donc, c'est tout simple, hein. La seule petite difficulté, ça va être de faire ce col. Voilà, vous voyez, comme ça. Mais en fait, c'est très simple parce que vous cousez déjà une partie du bas, puis ensuite vous faites tout le tour et vous reposez l'autre partie par-dessus. Et puis vous avez juste à venir coudre. Et voilà, en fait, il n'y a rien de bien compliqué. C'est vrai que leur explication n'a pas l'air simple quand on regarde. Mais en fait, voilà, c'est vraiment tout simple. Voilà comment moi j'ai fait. Donc, j'ai fait dans le jogging de chez Brice & Stoffen que je vous avais montré, que j'avais acheté exprès pour ça. Donc, bien douillé à l'intérieur. Donc, voilà mon Titus pour mon papa. Donc, encore un cadeau à emballer. Et je me suis cousu un pépite de Super Bison, mais la version basique, sans front, sans rien. Et je me suis mis un joli flex que j'ai fait avec la Cricut pour Noël. Donc, ho ho ho, avec le traîneau du Père Noël. Voilà, j'ai trouvé ça sympa. Ça va vite à coudre. Donc, voilà, je suis contente. J'ai fait ça hier matin. Hier après-midi, j'ai enfin pris le temps de faire mon sapin. Quand même, il était temps. Et dans l'après-midi, j'ai commencé les commandes parce que il y en a vraiment beaucoup. Et plus j'avançais dans les commandes, et plus vous commandiez. Donc, merci infiniment. Mais là, ce matin, je vais faire une autre partie des commandes. Là, j'en ai une grosse partie qu'il faudra que j'emmène. Je vais refaire une autre partie et je pense que je finirai demain. Je pense que demain, tout sera envoyé. Voilà. Mon calendrier de l'Avent The Body Shop. Alors, hier, j'ai eu... Je peux vous montrer. Hop. J'ai eu un masque frais repulpant. Donc, voilà. Donc, ça donne bien envie. Il va falloir que je prenne le temps de le faire. C'est comme ça, à l'intérieur. Voilà. Ça sent très bon. Je ne sais pas à quoi c'est. Ah, à la rose. Donc, ça sent très bon. Donc, ça, je vais le faire. Et puis, aujourd'hui, donc la case 18. On arrive bientôt à la fin. Hein. C'est passé trop vite. Oh! Une jolie petite pince croco, elle est originale, j'aime bien, voilà, donc ça va me servir, c'est super, donc c'est ce que je disais, ça passe très vite, on est déjà pratiquement à Noël, dimanche, voilà, ce sera le réveillon, oui, ça passe vraiment trop vite, mais bon, c'est comme ça, une fois que ce sera passé, ce sera fait, hein. Eh bien, écoutez, au niveau des cadeaux, là aujourd'hui, pardon. Aujourd'hui, je vais coudre. Donc, en fait, j'ai changé un petit peu de programme au niveau des cadeaux de mon frère et de mon beau-frère. En fait, ça va être des t-shirts. Je vais faire le t-shirt Poppy. Je crois que c'est de Anna Rose Pattern. Et j'ai des jolis flex que j'avais acheté sur AliExpress. Et je vais leur mettre ça et ça fera un t-shirt chacun. Ce sera déjà bien. Et il ne me reste plus que le cadeau de ma maman. Donc, je me dis... Je vais peut-être avoir le temps de me coudre une robe. Une robe ou un haut parce que je me dis que, hop, que je pourrais très bien mettre mon short châtaigne de Direndo et me faire un petit haut sympa.
avec mes collants que j'ai eu de la Gambette Box, là, à paillettes, moi, je pense que ça pourrait être très bien. Donc, je pense que je vais partir là-dessus. Je veux me trouver un petit haut sympa à faire. Et puis, voilà, on dira que c'est très bien. Hein. qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bon, je ne sais pas, là, ça ne me revient pas. Mais bon, au fur et à mesure de la journée, je vous raconterai si je retrouve autre chose à dire. Donc là, ben écoutez, je vais être partie pour un bon moment de préparation de commande. Donc je vous emmène avec moi dans cette nouvelle journée. Et voilà, je vous reprends en début d'après-midi, donc j'ai passé ma matinée à préparer vos colis. Il y a déjà une grosse partie qui a été emmenée, il me reste une petite dizaine de colis à faire, donc je les ferai demain matin. Et je pense que tout sera expédié demain, voilà, comme ça au moins ce sera fait. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais découper mes deux t-shirts Poppy de Clématis Pattern. Ici, donc moi j'ai choisi la version homme, donc je vais faire les manches courtes, donc il y en aura un pour mon beau-frère et un pour mon frère, et donc je vais les faire en noir, c'est du jersey noir que j'ai acheté chez Dries & Stoffen, et du coup je mettrai chacun un flex comme celui-ci et comme celui-là dessus, voilà, ça leur fera des t-shirts, donc ça c'est des flex qui viennent de chez AliExpress. Voilà, donc je vais passer à la découpe et à la couture. Normalement, je pense que les deux t-shirts, c'est jouable puisque je vais tout monter à la surjeteuse, donc ça va aller très vite. Il faudra juste que je change mes fils, enfin mes cônes de surjeteuse qui sont en rouge, que je les mette en noir. Et puis voilà, je vais attaquer ça. Du coup là, en fait, j'ai passé un petit moment avec ma fille qui est passée à la maison, donc je suis requinquée de bonne humeur, voilà. Eh bien, écoutez, on passe à la découpe et à la couture. Thank you.
Alors, j'ai fini, j'ai tout fini, mes deux t-shirts à la surjeteuse. Là, je vais passer à la machine à coudre pour faire mes ourlets. Et puis, je vais mettre mes flex. Donc, voilà, j'ai fait les deux. Donc, tout s'est bien passé. Je vais quand même surpiquer mon encolure aussi. Et je voulais vous montrer ce que je regarde. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. C'est Miss Scarlett, détective privée. Alors, ça se passe, j'ai l'impression que ça se passe dans les années, je sais pas en fait. Je vais regarder pour vous dire. XIXe siècle, Elisa Scarlett, une jeune détective privée, s'associe à l'inspecteur de Scotland Yard pour résoudre des affaires criminelles. Alors, c'est pas du grand art, mais franchement, j'aime bien cette petite série là. Je suis au sixième épisode, je suis à la saison 1 du sixième épisode. Et franchement, c'est des petites enquêtes sympas. Voilà, si ça vous plaît, ce genre de truc, je vous le recommande. Alors moi, je l'ai sur dans mon abonnement Canal Plus, mais c'est sur Polar Plus que ça passe. Donc voilà, écoutez. C'était le petit info du jour. Allez, moi je retourne à mes t-shirts. Et voilà, j'ai fini mes deux t-shirts, donc le premier avec ce dessin et le second avec ce dessin. Donc voilà, j'ai fait deux cadeaux aujourd'hui. Il ne me reste plus que le cadeau pour ma maman que je vais faire demain. Donc des t-shirts hein, très faciles à monter, très faciles, très basiques. Voilà, j'ai juste rajouté les flex pour un petit plus. Donc voilà. Comme ça, hop. Écoutez, hop, je pose ça là. Écoutez, je crois que je vais arrêter ici le vlog parce que il est déjà
5h30, il faut que je fasse le montage et tout et tout. Et puis j'ai encore quelques petits trucs à faire à côté. Donc écoutez, ça aura pas été un gros vlog, mais voilà, j'ai fait beaucoup de commandes ce matin, donc du coup ça a pris pas mal de temps. Demain, je finis les commandes, je vais les livrer, comme ça tout sera parti. Ensuite, je ferai le cadeau pour ma maman, donc je lui dirai de ne pas regarder la vidéo, parce que voilà, comme ça je vais vous montrer ce que je vais faire. Et puis, je vais regarder, donc du coup, je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais garder mon short châtaigne et je vais essayer de me faire un petit haut un peu sympa pour aller avec, et puis ça fera ma petite tenue de Noël, voilà. Donc voilà le programme pour demain et mercredi, je pense on sera sur les deux jours. Et puis après mercredi on verra si je continue jeudi ou si je m'arrête là, et puis on se retrouvera peut-être plus tard, je ne sais pas, on verra à ce moment-là. Et bien écoutez, je vous remercie encore beaucoup de m'avoir regardé, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon petit déjeuner, un bon repas de midi, un bon goûter selon l'heure où vous me regardez. Je vous embrasse et je vous dis à demain.